Allemand, LV2, leçon 4, première partie. Der Lehrer, c'est le professeur, quand le professeur est un homme. Lehrer, épelle le mot Lehrer. L-E-H-R. E-R. Lorsque le professeur est une femme, on dit « die Lehrerin ». Épelle le mot « Lehrerin ». L-E-H-R-E-R-I-N. Monsieur se dit « Herr ». Épelle le mot Herr. H-E-R-R. Madame se dit Frau. Épelle le mot Frau. F-R-A-U. Quand on dit Mein Lehrer heißt Herr Valland. Qu'est-ce que cela signifie? Mein Lehrer heißt Herr Valland signifie Mon professeur s'appelle Monsieur Valland. Que signifie Die Lehrerin heißt Frau Lauvergne. Die Lehrerin heißt Frau Lauvergne signifie La prof s'appelle Madame Lauvergne. Comment écris-tu heißt dans Die Lehrerin heißt Frau Lauvergne? H-E-I-S-Z-T. Die Schule, c'est l'école. Die Schule s'appelle S-C-H-U-L-E. S-C-H-U-L-E. Attention, un U sans tréma se prononce OU en allemand, alors qu'un U avec tréma se prononce U. OU, U. Dans le mot Schule, école, le U se dit OU parce qu'il n'a pas de tréma. Mais dans le mot Schüler, écolier, ou élève. Le U se dit U car il a un tréma. On dit aussi un umlaut. Der Schüler, c'est l'élève. Épelle le mot Schüler. S-C-H-U-L-E-R. Die Schülerin, c'est l'écolière, ou l'élève au féminin. Épelle le mot Schülerin. S-C-H-U-L-E-R-I-N. Comment dit-on le mot professeur en allemand? Épelle ce mot. Le professeur se dit der Lehrer. L-E-H-R-E-R. Comment dit-on le professeur quand c'est une femme en allemand? Épelle ce mot.
Le professeur, quand c'est une femme, se dit lehrerin. L E H R E R I N. Le verbe lernen signifie apprendre ou étudier. Lernen s'écrit L E R N E N. Il ne faut pas confondre l'erreur L E H R E R, le professeur, et lernen L E R N E N, apprendre. Mais lehren L E H R E N, c'est enseigner quand on est un professeur. Deutsch, D E U T S C H, signifie allemand. Épelle le mot Deutsch. D E U T S C H. Deutsch. Ich lerne Deutsch signifie quoi? J'apprends l'allemand. Comment dirais-tu tu apprends l'allemand? Du lernst Deutsch. Du s'écrit D-U. Lernst s'écrit L-E-R-N-S-T. Et Deutsch s'écrit D-E-U-T-S-C-H. Du lernst Deutsch. Tu apprends l'allemand. Comment dirais-tu? Hélène apprend l'allemand. Hélène lernt Deutsch. Lernt s'écrit L-E-R-N-T. Deutsch s'écrit D-E-U-T-S-C-H. Hélène lernt Deutsch. Hélène apprend l'allemand. Quand le sujet est ich, je, la terminaison du verbe est e. Quand le sujet est du, tu, la terminaison du verbe est st. Quand le sujet est à la troisième personne du singulier, la terminaison du verbe est t. Seul le verbe être ne suit pas exactement cette règle. Puisqu'on dit ich bin, je suis, du bist, tu es, ist, il est. Ich lerne Goethes Sprache signifie j'apprends la langue de Goethe. Ich lerne Goethes Sprache. Die Sprache, S-P-R-A-C-H-E, c'est la langue. Wieder signifie à nouveau. Wieder s'écrit W-I-E-D-E-R. Wieder. Der Kanzler, c'est le chancelier. Kanzler s'écrit K-A-N-Z-L-E-R. Die Kanzlerin, c'est la chancelière. Kanzlerin s'écrit K-A-N-Z-L-E-R-I-N.
N. Kanzlerin. Die Bundeskanzlerin. C'est la chancelière de la fédération. Bundeskanzlerin. Bundes s'écrit B, U, N, D, E, S. Kanzlerin s'écrit K, A, N, Z, L, E, R, I, N. Le mot Bundeskanzlerin est un mot composé. Angela Merkel ist wieder die Bundeskanzlerin. Angela Merkel est à nouveau la chancelière de la fédération. Angela Merkel ist wieder die Bundeskanzlerin.